Ok tout le monde, c'est FLZGoman pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une review, voilà. Un set que j'ai acheté le week-end dernier au Lego Store. Il s'agit de la maison de vacances 31067, sortie l'été 2017, voilà. Elle contient 356 pièces et 2 mini-figurines. Donc, déjà, dans ce set, vous n'avez pas la plaque verte là. Donc voilà, j'ai laissé la plaque verte pour que ça soit plus joli dans la review et aussi parce que c'est comme ça dans ma ville. Et je voulais pas tout enlever parce que c'était assez compliqué pour mettre et tout. Voilà, avec l'effet modular là. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc voilà. Alors là, dans cette, il n'y a pas la plaque hein, livrée. Il y a tout sauf la plaque verte. Donc voilà, là, on part du principe qu'il n'y a pas la plaque verte en fait. Donc, déjà, c'est un truc spécial modular en fait. Vous pouvez changer la fenêtre si vous voulez la mettre à la place de la porte. Enfin, vous pouvez. Voilà, c'est une nouvelle technique que Lego Creator a mis en place cet été. Donc là, vous pouvez organiser votre bâtiment comme vous voulez. Voilà, comme vous le souhaitez. Donc, on va commencer par les personnages. Donc, nous avons le premier personnage, voilà, qui est un père de famille, je pense, voilà. Donc voilà, c'est classique, hein, ces t-shirts qu'on retrouve souvent dans le set Lego Creator, voilà. J'ai plusieurs fois ce t-shirt. Voilà, la coupe de cheveux, j'aime bien, hein, c'est stylé. C'est la même que dans la cabane de plage, enfin, la maison de plage 31063, je crois. Voilà, derrière, c'est pas dessiné. Voilà, beau personnage quand même. Ensuite, là, vous avez la planche de skate. Voilà, vous pouvez le mettre dessus. Voilà, verte, hein, j'aime bien cette couleur. Si vous avez la petite fille, voilà. Voilà, pareil, hein, c'est un personnage classique. Voilà, avec un t-shirt qu'on a déjà vu sur notre set. Elle tient une glace dans sa main. Et d'ailleurs, c'est dessiné là. Voilà, il y a cette coiffure. Donc voilà, c'est des personnages classiques qu'on a dans ce set. On va dire ça. Bon, il y a des personnages, c'est déjà bien. Parce que je vous rappelle avant qu'il n'y en avait pas dans le set Lego Creator. Maintenant, on va passer aux accessoires. Donc voici les accessoires que vous avez là. Bon, la planche de skate, moi j'y reviens vite, hein, j'ai déjà présenté. Donc voilà, c'est une planche verte. Ensuite, vous avez une table de ping-pong, hein, franchement très bien faite, j'adore. Voilà, c'est comme ça en dessous. Voilà, je traiterai un tuto de cette table plus tard dans ma chaîne, voilà. Donc là, vous avez les raquettes, la balle. Voilà, c'est une table bleue. Et ici, là, vous avez une sorte de grille, voilà. Vous pouvez l'ouvrir. Voilà, vous avez un petit poulet à l'intérieur. Donc pareil, un très beau grille. Voilà, assez simple, mais bien réussi. Voilà, avec un petit poulet. Et vous pouvez mettre sur le toit. Voilà. C'est fait pour mettre sur le toit. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les accessoires. Et maintenant, on va passer à la maison. Donc là, voici la maison. Hein. Voilà. Voilà, j'aime bien cette maison. Ça rappelle voilà. Ça rappelle l'été un peu. Avec la piscine. Ah, je trouve que ça a tendance à faire penser au changement de saison. 31038. Hein. Ah, je trouve que c'est assorti avec les fenêtres, la piscine. Et bon, c'est vraiment une très belle maison. Voilà, c'est pas l'inconvénient ce que je dis. Au contraire, ça est assorti avec. Parce qu'en plus, ça tombe bien à la côté dans ma ville. Donc, on va commencer par ici, avec une petite piscine. Voilà. Un plongeoir. Et là, une bouée en canard, voilà, que j'aime bien. Et bon, une bouée gonflable. Voilà, elle n'est pas attachée à la piscine. Hop là. Ensuite, ici, vous avez un petit plongeoir, hein, un peu le même style que le changement de saison Lego Creator, voilà. Ici, là, vous avez une partie que j'adore, là. Là, c'est la haie. J'aime vraiment beaucoup cette haie, hein. Je trouve que c'est vraiment stylé. C'est ce qui rajoute de charme dans ce set. Voilà, qui sépare la piscine vers l'entrée. Ensuite, ici, vous avez une table, voilà, avec un parasol. J'aime bien la couleur aussi de ce parasol. Là, vous avez une sorte de mur. Voilà, avec des lierres dessus. Voilà. Et là, je pense que c'est un récipient pour mettre de l'eau, je sais pas quoi. Avec une texture en brique. Ensuite, là vous avez l'entrée. Donc voilà, ça fait partie de la maison, ça. Mais pas ça. Donc voilà, ça s'ouvre. Là, vous avez un petit diamant pour faire office de lumière. Voilà, original. Là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec une cheneau. Et un devant ici. Ici, vous avez une fenêtre. Voilà. À peu près que celle-là. Voilà. Ensuite, ici. Vous avez le toit, ouais, franchement que j'adore ce toit aussi. Voilà, ça va bien que le mur, la couleur et tout. Voilà, les fleurs, ça rajoute de la couleur encore. Ça va rentrer assorti. Avec des barrières hein, pour faire un petit balcon.
Voilà, par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a pas d'escalier pour accéder au toit, là. C'est un peu bizarre. Surtout qu'il y avait vraiment de la place à l'intérieur pour en mettre un. Voilà, c'était un peu dommage qu'il n'y ait pas d'escalier. Voilà, ça fait un peu. Les co-créateurs, ils en mettent souvent, d'habitude. Si là vous avez une cheminée qui est très bien faite, hein, franchement, j'adore cette cheminée. C'est pas des classiques, enfin, c'est original. On la retrouve pas souvent ces cheminées. Alors, si je tourne arrière, c'est l'intérieur, voilà. Donc ici, vous avez une télé, voilà, un home cinéma un peu. Là, vous avez un endroit pour mettre la guitare. Ici, vous avez un caisson, voilà, pour une baffle en fait. Donc, voilà, c'est une salle spéciale home cinéma. Là, vous avez un canapé. Voilà, tout simplement. Donc voilà, comme j'ai dit juste avant, ils ont pu mettre un escalier pour accéder au toit, mais bon. Peut-être qu'il y aurait moins de place aussi pour ça, par exemple. Donc maintenant, je vais vous expliquer le truc modular là. Voilà, je vais vous montrer avec ces deux fenêtres. Donc vous enlevez cette fenêtre, par exemple, très facilement. Hein. Par exemple, vous voulez inverser. Vous avez juste, hop, à pousser comme ceci. Et voilà. Voilà, c'est ça. Donc voilà, vous pouvez mettre comme vous le souhaitez. Hein. Vous pouvez mettre la porte là, la piscine là, voilà, comme vous voulez. Hop. Vous pouvez enlever le plongeoir là, facilement aussi. Ainsi que la haie pour séparer en fait. Et aussi, vous pouvez enlever le toit. Hop. Soit pour accéder à l'intérieur ou bien soit pour changer de côté. Voilà, si vous faites un truc comme ça par exemple, vous pouvez. Bien évidemment. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette review. Maintenant, je vais vous montrer une vue globale de ce set. Donc voilà, j'ai mis la scène, la même scène que la boîte en fait. Donc voilà, là vous avez les deux personnages qui jouent au ping-pong. Donc voilà, j'espère que ce set vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Voilà. Et soyez aussi présents pour le live, voilà, que j'ai ouvert mercredi. J'espère que vous serez nombreux et ça me ferait plaisir. Bon, du coup, à plus pour les prochaines vidéos. Allez, salut!